Je l'ai envie de... Ouais. Là, 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 là. On va essayer de les amener à la souille. Qu'ils prennent le gros. Soit on les laisse là, soit on les amène à la souille pour prendre le gros. Ah mais il y en a un qui descend. Ça va redescendre. Oh là, vous. Ah c'est bon, Onyx, donne. Plume! La plume, plume! Allez, ça y est. Ouais, j'ai vu. Vas-y. Attends, doucement, on s'enquille pas comme il faut là. On s'enquille pas. Fais ma grosse. Fais maman, va l'aider. Va l'aider. Oh. Fais gaffe, Julien, en haut là-bas. Il y a des bosses vides là. Il y a des bosses vides. Où sont les vieux? Émilie, on les a, je crois. Parti! Parti! C'est parti!
Il est là. Oh là là. Voilà. Voilà, voilà. Oh, allez, mal à Ruby, là. Julien, à toi en bas. Là, là, changez pas les pieux, là. 3-4 sangliers qui sont partis, Émilie, que des gros. Ben là, j'aurais eu les pieux, mon gars. Ça longe la route de la Quacap en descendant vers Inter, Émilie, en montant vers là-bas. Un peu si elle voulait revenir vers là où on avait les premiers sangliers ce matin. Oh, ils étaient coincés dans les ronces, ils pouvaient pas bouger, les sangliers. Il était devant moi, il n'arrivait pas à sortir. Que des gros. Plus de 60. Ouais, plus de 60. Ouais. Mais là, le deuxième, là, j'aurais eu les pieux, t'es coincé devant moi. Mais bon, c'est bien. Si les postés peuvent les tirer. Ah, il est là, il est là. Il est avec la chaîne. Tu vas prendre la dague, Julien. Prends la dague, je vais essayer de l'attraper. Voilà. Merde. Oula. Carton, la chaîne, il est descendu. Merde, on n'a pas les pieux. Ah ouais, oui, c'est bon. Il est parti là-bas. Il est parti? Où? En bas? Ah oui, j'ai oublié. Attends, attends, coupe-la, la chaîne, coupe-la. On va la ramoter sur les autres. Laisse-le tranquille, celui-là. On va faire le tour. Viens par là. Ah merde. Faut qu'elle soit pas toute seule dessus. Attends. On va essayer de faire une menée. Essayer de la monter. C'est bien, maman. C'est bien, ma vieille. Eh vas-y, elle va y aller, je pense, je suis derrière. On va pas aller laisser dessus toute seule parce que s'ils veulent pas trop courir. Vas-y, lâche-la, elle va nous suivre. Elle va y aller. Elle va bien rejoindre, t'emmerde pas. Faut qu'on récupère les pieux, nous n'avons pas l'habitude de courir ces machins. Mais ils se sont décalés hein, parce que on est tombé sur des bosses vides au départ. Et ils étaient 10 mètres plus haut. Mais j'ai vu que des. Au moins. Enfin, ce que j'ai vu, deux gros. Plus de 60 kilos quoi. J'ai pas vu de petits ou de marcassin quoi. Mais là, celui-là, il est pas allé loin. Il veut pas courir, il veut pas aller loin. Oh, je crois que c'est une des premières fois que je vois les sangliers bloqués dans le monstre comme ça. Tiens, par contre, le rapprocher dur, dur. Là. Et tu vois, on attaque les sangliers pas loin pourtant. Hein. On les attaque à quoi? On est à combien? 500 mètres? Même pas? Putain, on part à l'envers, quoi. Ah ou? Ah ou? Ah bah ça, c'est celui de Morgan. Bah, Émilie et Gérard vont suivre, de toute façon. C'est combien les routes? Eh ben, c'est la première fois que j'arrive à filmer le. Une... Enfin, pas la première fois, mais une des premières fois que j'arrive à filmer. Les... Après, je sais pas si j'avais le portable trop droit. Parce que... Putain, mais j'ai dit quand même, pourquoi ça sort pas? Ah oui, bon, ben là, ils ont fait une boucle. Ils ont... Tu sais, ils ont fait une boucle en descendant et ils sont remontés.
Et là, tu pouvais être sûr qu'ils étaient là. Mais c'est beau là. Allez, on essaie de suivre. Putain, faut que je pense à prendre les pieux. Putain, le con. Enfin, regarde, ça a permis au postier de le. Il est sorti là. Il est rentré dedans. Oh là-bas, oh là-bas. Oh là-bas. Il est rentré.